Oui, bonjour, Monsieur Dampierre, le prof, ma 160e. Et aujourd'hui, retour important sur les événements récents là, qui ont secoué le Québec jusqu'à un certain point, ont certainement créé une onde de choc. Onde de choc qui peut paraître comme une simple tremeur en ce moment, mais croyez bien qu'un géant qui dort présentement et qui est à veille de se lever parce qu'on n'accepte pas la motion qui a été passée en chambre la semaine dernière. Concernant les drag queens et sur ceux qui font opposition à ce mouvement-là. Regardons ça. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement de cette Assemblée pour débattre de la motion suivante, conjointement avec la ministre responsable de la Condition féminine, la députée de Westmount-Saint-Louis, le député de Matane-Matapédia et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale souligne que les drag queens ne devraient en aucune circonstance faire face à des insultes violentes, à de l'intolérance et à de la haine pour leur participation à la lecture de contes pour enfants. Qu'ils reconnaissent que le fait d'exposer les enfants à la différence contribue à faire du Québec un exemple d'égalité et d'équité pour les communautés de la pluralité de genre à travers le monde. Qu'elle déplore la montée des propos haineux et discriminatoires envers les personnes de la communauté LGBTQI2S+, dans la sphère publique québécoise. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, à consentement sans débat, M. le Président. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Une fois que ce sera adopté, je demanderai un vote par appel nominal, s'il vous plaît. Alors, Gabriel Nadeau-Dubois se surpasse comme d'habitude et nous montre le tragique panorama de l'avenir du Québec si on ne fait pas quelque chose puis qu'on remet pas les choses dans le droit chemin, là. Gabriel Nadeau-Dubois qui demande un consentement pour débattre. Imaginez l'indécence, là. Demande un consentement pour débattre d'une motion qu'il présente. En toute vitesse, là, tu sais, en catastrophe, là, un mardi, 2 jours après qu'on ait annulé la lecture drag à Sainte-Catherine. Et le représentant de l'opposition qui accepte le consentement, mais sans débat. Ben non, ben oui, sans débat. Et la tête à claque à le duc, là, d'Hochelaga de Maisonneuve, deuxième groupe d'opposition, qui demande un vote par appel nominal. Ça, finalement, c'est comme un vote à main levée, là. Tout le monde te voit faire. Tout le monde sait si tu vas t'abstenir ou t'opposer. Comme on a affaire à une bande de lâches, il n'y en a pas un seul qui s'est abstenu. Alors, le vote par appel nominal est demandé. Alors que les députés en faveur de cette motion veulent bien se lever. Monsieur Nadeau-Dubois-Gouin, Monsieur le duc Hochelaga-Maisonneuve, Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques, Monsieur Marissal-Rosemont, Monsieur Fontessier, Laurier-Dorion. Que les députés contre cette motion veulent bien se lever. Y a-t-il des abstentions? Madame la secrétaire générale. Pour 109, contre aucun, abstention aucune. Cette motion est adoptée. Oui, monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, monsieur le président. Est-ce qu'on pourrait envoyer une copie de cette motion à Barbada, à la ville de Sainte-Catherine et au Conseil québécois LGBT? Merci, madame. Ce sera fait, monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Alors, reprenons les faits, là. Dimanche, le 2 avril, avait lieu à Sainte-Catherine, sur la rive sud de Montréal, un événement qui était une lecture faite par le drag, là, Stéphane Potvin, mieux connu sous le nom de Barba Papa, là, whatever, OK? Et il y a eu une manifestation, là, parce que les gens n'acceptent pas. Il y a une partie de la population, si ce n'est pas une majorité encore, Dieu sait qu'un sondage nous le démontrerait facilement, une partie de la population qui, de façon irréconciliable, là, n'acceptera jamais d'avoir des drags se tenir autour de leurs enfants et demande d'être respectés dans les écoles et... vous pouvez vous attendre à bien, bien des manifestations personnelles et de groupes dans les semaines qui vont suivre. Ça, je suis à peu près certain de ça. Alors, le 4 avril, 2 jours plus tard, en catastrophe, la Chambre se rend compte et puis on passe cette motion-là avec les résultats que vous savez. Du railroading, qu'on appelle en anglais. Ça veut dire que c'est fait à la va-vite, là. Rapidement, sans consulter la population. C'est vrai, où sont les sondages, là? T'sais, avant de passer cette motion-là, est-ce que quelqu'un s'est intéressé de savoir ce que la population désirait vraiment? Où sont les sondages quand on en a besoin, là?
Qui a-t-on consulté avant de passer cette motion-là? Est-ce qu'il y a eu seulement un débat? Est-ce qu'on en a débattu en chambre? Non. Est-ce que le vote par appel nominal ou à main levée est approprié ici quand on parle d'un sujet aussi sensible qui expose des gens qui savent qu'ils vont se mettre en faux peut-être avec une partie de la Chambre d'Assemblée? Vous voyez le résultat. Personne n'a eu le courage de seulement s'abstenir de cette motion-là. Et qui représentait ceux en chambre là, le mardi 4 avril? Qui représentait les gens de l'autre faction, les gens de l'autre groupe de population qui sont diamétralement opposés à la présence de drague auprès des enfants? Qui nous représentait? Alors, comment peut-on expliquer que 125 députés, dont la fonction première est de représenter, de servir d'intermédiaire entre le gouvernement et le peuple, peut-on imaginer les voir se taire comme ça? Comment on peut en arriver à ça? Comment est-ce que 125 députés peuvent en arriver à voter d'une façon unidirectionnelle comme ça, à l'unanimité, lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi controversé et qui soulève autant de passion dans le peuple en ce moment? Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Bien sûr que c'est pas possible. C'est statistiquement impossible, ok? C'est logiquement impossible et c'est philosophiquement impossible que démocratie ne présente aucune forme de questionnement ou de débat quand on parle de sujets aussi sensibles, sujets qui dérangent tout le monde en ce moment. Ces élus-là, en chambre, vous montrent qu'ils sont indignes de vous, qu'ils ne sont pas dignes d'être là lorsqu'ils se comportent comme ça. Ils devraient avoir honte, ils devraient être gênés, ils devraient ramper, regarder à terre sur la rue. Je sais pas comment ils font pour se sentir bien, se sentir de bonne foi dans un système qui se dit démocratique, qui ne permet pas le débat, qui ne consulte pas la population, qui se comporte finalement un peu comme M. Trudeau à Ottawa depuis 8 ans. Pas une seule abstention, pas une seule question, pas un seul contre-argumentaire, même pas un petit mot de prudence peut-être pour rappeler à tout le monde qu'il faut quand même garder certaines choses à l'œil. Rien. On veut vraiment que le Québec soit un exemple de progressisme que nous qualifions de déchéant et de décadent. Et il va falloir reprendre le dialogue. Il n'est pas question de se faire railroader en chambre comme ça, à tout bout de champ. Là. Ça ne sera pas accepté du public, de la population. La population va refuser, là. D'ailleurs, on le sent. Un géant qui se lève présentement, monsieur, dame. Regardez bien les événements des prochains jours. Je tiens à reprendre certains mots-clés dans la motion de Nadeau-Dubois là, qui sont lourds de sens et lourds de conséquences aussi, parce que évidemment on s'attend qu'il va y avoir des échanges toujours de plus en plus enflammés, avec des mots durs parfois, non équivoques. Il y a des gens qui sont diamétralement et catégoriquement opposés à exposer leurs enfants à des dragues et vont continuer de le manifester. Alors là, on commence à parler de mots comme qu'on ne devrait pas soumettre les dragues en aucune circonstance, à des insultes violentes, de l'intolérance et de la haine pour leur participation à la lecture de contes pour enfants. Alors, vous attendez à quoi, là? On n'est pas d'accord, on veut pas, c'est une question de vie ou de mort pour nous autres, là. On veut pas que nos enfants soient exposés à des dragues. OK, alors, c'est sûr qu'on ne le tolère pas. Est-ce que ça fait de nous des intolérants pour cette raison-là? Puis est-ce qu'on devrait se sentir coupable pour autant? Bien, habituez-vous, parce qu'on ne tolère pas. On ne tolère pas, on est catégoriquement et diamétralement opposé à la présence de drague auprès de nos enfants. Il va falloir que les commissions scolaires et que les gouvernements nous respectent là-dedans, nous consultent et prennent en compte ce que la majorité du peuple leur dit. Trouvez-vous d'autres comparaisons? Trouvez-vous d'autres arguments? Sinon, voyeul! Alors, pendant qu'on essaie de vous intimider à ne pas pouvoir contester les choses aberrantes que vous dénoncez, on va vous parler sur le ton qu'employait Régine Laurent, là, tout de suite. Et on n'hésitera pas non plus à encourager les Antifa à aller vous faire de l'opposition violente quand vous manifestez, comme ce fut le cas à Sainte-Catherine la semaine passée. Alors, ça va à deux sens, c'est de bonne guerre. Hein, quand on veut parler d'intolérance puis d'insultes violentes, faut que ça concerne tout le monde. Alors,
S'agit de trouver un équilibre, puis de trouver un juste milieu, là, parler avec force, avec conviction, mais toujours de façon à garder un certain décorum, ce qui est très difficile à faire par les temps qui courent. Alors, je parle de prostitution ici, et je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, je ne parle pas de prostitution au sens là, d'une forme d'échange où l'on propose contre rémunération des faveurs sexuelles. Non, je suis certain que les gens de la Chambre et les ministres sont tellement dévoués à la tâche qu'ils n'ont aucune vie sexuelle. Je suis certain qu'ils n'ont pas le temps. Ni non plus ont un réel besoin d'argent parce qu'ils viennent de voter une augmentation de salaire de 21%. Alors, je pense pas qu'ils aient besoin d'une rémunération additionnelle. Hein? Non, on parle au sens littéraire ici. Quand je parle de prostitution au sens littéraire, c'est-à-dire lorsqu'on fait usage, un usage indigne de ses talents, de ses capacités, lorsqu'on s'avilit et parfois lorsqu'on accepte des compromissions pour de l'argent, des faveurs ou des avantages quelconques. Mais loin de moi l'idée que les gens de la Chambre pourraient se soumettre à de tels pots de vin. Okay? Je pense que ça a dû jamais se produire non plus. Okay? Alors, je ne veux pas être plus innocent qu'il faut. Là. Non, je vous parle d'une prostitution où vous êtes censé être en chambre, votre devoir, votre mission, c'est de représenter la population et vous vous comportez comme vous avez fait le 4 avril dernier. Je le répète, vous devriez avoir honte et je n'ai aucun respect pour vous et je ne vous considère pas digne de vous appeler mes représentants à la chambre. Je ne reconnais plus votre autorité quand vous vous comportez comme ça et j'incite la population à devenir toujours plus circonspecte et attentive à vos agissements dorénavant. Voyelle. Je laisse dans la description un texte que j'ai déjà utilisé dans mes capsules précédemment. Un texte qui a été écrit par le groupe Strobs et son chanteur David Cousins, et qui va comme ci. Ces politiciens qui s'acharnent pour gagner, se positionnent pour éviter la défaite, la disgrâce, les scandales, réussir à vous convaincre et à sauver la face. Les délégations se suivent dans les aéroports, relations publiques, sourires hypocrites, poignées de main. Ils se battent contre leur destitution et veulent réussir à vous convaincre et à s'enraciner. N'essayez pas de me convaincre. Je peux bien voir par moi-même. Je suis né avec ma propre pensée et j'entends bien la garder. Les saisons passent et s'empilent comme de la neige sale sur la corruption. Je ne veux pas savoir s'il reste même un seul endroit sur terre où me cacher. Ce mauvais cinéma ne m'intéresse plus. Politicians fighting hard to win, getting a good position so we won't have to lose again. Battles always on, working against his grace. He has to win you over, it's only a case. End up saving face. Delegations flying in, happiest relations, smiling faces, shaking hands. Battles always on, working against displacement. He has to win you over if it's only a case, and end up saving face. No long bother telling me, I can see it all for myself. I was born with a
Like the dirty driven snow. Turn off the news, I really don't want to know if there was anywhere left to go. Well, I don't think that I want to know, 'cause I really don't like the show. No, don't bother telling.